Bon, merci beaucoup de la captivité de notre présence et dans les couloirs officiels du Sénat. Aujourd'hui, on vient de boucler la boucle de l'élection des membres du bureau du Sénat. Le Sénat représente une épithète, hein? Le Sénat représente un ciel ouvert. C'est le début de la renaissance de la République démocratique du Congo, nous espérons. Parce qu'avec la tête de Bahati Lukwebo, une grande école de formation, Bahati Lukwebo va devoir tamponner, cimenter, macadamiser la dextérité, la qualité du travail de concert avec tous les membres qui assaillent à ses côtés. Nous en avons foi. Donc ça vaut un accompagnement par toute la population. Pour qu'il y ait du succès dans ces bureaux, il va falloir que Dieu bénisse. Pour que ces bureaux réussissent, il va falloir la main posé par le président de la République des mains de maître. Il va falloir que tous les sénateurs apportent du fumier pour que ces bureaux fassent gloire, panache et succès. Donc nous en avons foi. Nous sommes vraiment d'une apnée de plaisir, de nature à comprendre que le jeu démocratique est florissant, il germe et il est étalé à même les socles nationaux. Voilà que tout Kwilu qui gravite autour de nous, oui, Paulin Kiyanka, vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Tout Kwilu est représenté ici et Kwilu va accompagner le président de la République, Kwilu va accompagner le Sénat, conduit par l'école savante de Bahati Lukwebo, et tout Kwilu va accompagner la République démocratique du Congo. Voilà, et une essence et une effervescence dans les chefs de notre silhouette. Merci beaucoup. Merci.